Ok, bon, alors les gars, c'est la suite de Call of Duty W2, sauf que, apparemment, on n'entend pas, j'ai regardé sur les recs, que vous entendez pas bien, mais là, ça va, là Tout j'espère que ça vous allez m'a encore un entendre. peu plus sombré. J'ai comme l'impression qu'il m'entraîne avec lui. Mais je dois rester fort si je veux que tu sois fier de moi, frérot. Enfin, si vous entendez, mais comment dire, pas très très bien. Là, j'espère que vous allez entendre, mais genre bien bien pour les cinématiques et tout. C'est chiant ça. Son et tout là. Oh ça, Peter. Il veut quoi? Oh ça, Peter. Tiens. C'est quoi ce sergent? Reculez, sergent! Quoi là? Hein? Et ça, ça te plaît, hein? Ça te plaît? Parfait, merci. Salopard. Sergent! Hé, t'embêle pas, toi! Comme ça, qu'est-ce que tu te caches? Ce salopard nous a caché ça. Donc ça. Ça veut dire quoi cette merde? Ce sont des ordres pour placer des explosifs sur le pont de Remagen. Le matériel va être chargé sur des camions à 7 km au nord. Si je comprends bien ce document, c'est le dernier pont encore en état pour traverser le Rhin. Oh bah ça alors, Fritz. Ah, y a pas de chance lui. Moi j'espère que quand je vais tirer, vous allez quand même m'entendre quoi. Même si je parle pas beaucoup quand on joue au jeu. Mais où est personne? Sûrement dans une planque avec le détonateur. Et du whisky. Vous savez ce qui peut saouler? L'hypothermie. Pas si tu te remues tout le temps. Styles. Et dans le groupe de Pearson. Quelle chance. Daniel Sussman, vous m'accompagnez le temps que je pose la dernière charge. Et on attaque les camions. Ok, alors attendez. Audio. Voilà, là j'espère que vous allez bien entendre. Je sais pas si. Bon, je sais pas très très fort pour vos oreilles aussi. Ok. Camion allemand. Allez mon pote. Oh, tu meurs. Vous tous vous mourrez en fait. Allez, allez, allez. Prenez les camions. Ok, ils sont tous là-bas en fait. Oh. Qui peut plus marcher? Ah. Ça va aller. C'est bon, je t'ai aidé mon pote. Accroche-toi, l'ami. Par ici. Oui. Je peux pas vous mentir qu'ils sont beaucoup là. Oula.
Désolé si vous avez cette malchance d'être dans mon viseur. Voilà. C'est fini là, non? Vas-y, trousse de secours, s'il te plaît. En voilà par ici. Yes. C'est bon, moi je suis dans le camion. Ah. Franchir à la porte à 0300. Il faut trouver un endroit surélevé pour couvrir notre assaut et détruire les derniers camions. Ok. Surveillez les patrouilles. On y va. On y va que nous deux là? Ça va, j'ai un silencieux, mais. Il y a les K2 avec une patrouille, c'est chaud quand même. Voici mes deux points de vue près de l'entrée. Point d'observation. Ah ouais, quand même! Ah, il rigole pas, hein. Son montant de warfare au bout d'un moment quand je dois retrouver je sais plus qui là. T'inquiète, je suis en dessous. Ok, faut trouver un point d'observation pour la surentrée. Oui, mais là ils sont vraiment de partout là. Ah, oh, là ils rigolent pas là. Oui, y'a personne qui peut me voir là. Ouais, 100 mètres encore. Il est tout seul lui. Ok. Genre, on peut pas déplacer son corps? Attends. Parce que juste, imagine, il est pas tout seul. Ouais, il est où? Ah bah je l'ai changé. Là, c'est le commandant de la base. Putain, y'a un truc à prendre là. Quoi? Oui. J'ai pas fait de bruit. Personne sera bientôt à l'entrée. Faut qu'on trouve une position surélevée. Ah mais t'as vu où ton point d'observation? Ouais, j'ai fait du bouquet. Aïe. Qu'est-ce qu'elle fait là elle? Non, c'est mon truc de merde là. Ok. Mais ton point d'observation, il est là-bas. Ok. Ah
Tiens, mais... Donne. Voilà. Mais là, hop. J'ai un sniper là-bas, non? Je suis dans la jambe, il est mort. Ouais, je l'ai vu. Hop, il est pas passé. Allez. Il recule là. Non. Descends le conducteur. Au premier étage, sur le balcon. Je m'en occupe. J'ai loupé. Conseil, conseil, conseil. C'est lui ça. What? Il y a un sniper qui est sur le dessus là. Ah ouais, là-bas. Dégage toi. Mais là il y a beaucoup d'ennemis là. Ah, ça va être mis ça. Gaffe à droite. Personne qu'on coupe 27 tours et qu'on surveille le coin. Oui. Je pensais que c'était un collègue. Putain. Hop. J'étais dessus là, on est d'accord, à part que c'était un de mes collègues. Ouais, par contre les gars, c'est pas qu'on fout le spam non plus. Je change mon arme, hein. C'est pour... Attends, faut que je les calme. Parce que le problème, c'est qu'ils vont jamais se calmer. Ah, reculez, les gars. Ça sert à rien de... Ah.
comme ça, c'est pas mon pote. Ouais, par contre, j'ai besoin de toi là. Merde. Oh putain, je suis peur. En voilà par ici. Allez, c'est bon. Oui. Attends, je prends ça, moi. Ils sont tout en haut. Ça, si j'en croise un. Ah, y'a plus le bug. Allez, dégagez. Ils sont beaucoup. Ouais, ils ont sorti un char et tout. Ils ont gagné. Les prisonniers de guerre juifs s'en tirent rarement. Reste calme, ça va aller. Il est pas mal. Oui, de l'aide. Oh. Ah, il s'est fait capturer l'autre. C'était pas loin. Ah, Jusman est capturé. Désolé pour ton ami, mais on doit s'occuper du dernier camion. Nulle part. Ils ont Jusman, avec toi, je m'en bats les couilles, frère. C'est mon pote. Bah, reprenez la mission. Comment ça, reprenez la mission? Je sais pas partir par là, moi. Il est pas loin en plus. Ah, de tourner. Ce genre il avance plus vite que moi là. Oui. Faut pas lui tirer dessus en conduisant. Ouais, je vais loin quand même là. Mais t'es parti tout seul, je pense. Putain. Il a eu un accident aussi l'avion. Ah, l'avion, le camion. Mais je vais mourir là. Allez vite, il n'y a qu'un flingue là. Je suis mort.
meurs? Je pense pas. Tu m'as ouvertement désobéi. Et alors? Cour martiale. La désertion, c'est la peine capitale. Alors peut-être que je devrais nous rendre service à tous. Et mettre fin à tout ça. C'est fini. T'appartiens plus à ma section. Dégagez-le. Bah les couilles. Non mais du coup Zizman il est mort. Vu que c'est un juif. Ouais il a amené à le truc de la mort là. Je sais plus comment on dit ça. Il faut débrouiller un mythe. Putain. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi-Stück Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick Dirk. Zeig sie mir! Ne Amerika. Point barre. Il est tous dans le train. Wohin bringst ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun. Aïe aïe aïe. Ouais. Monsieur, dites-moi qui l'a trouvé. C'est seulement en fait. Irson ne se soucie pas du tout de lui. Pas plus que de ses hommes à Kasserine. Kasserine? Vous avez tout faux, c'est vrai. Irson a reçu l'ordre de battre en retraite. Pas se résoudre à partir sans son souffle. Il a fini par perdre encore plus d'hommes en tant que celui. Depuis, il n'est plus le même. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour personne. Vous rentrez. Je vais finir en cour martial, monsieur. L'image de l'armée serait bien ternie. C'est une punition, le soldat qui nous a pensé pour rester. Et oui, les informations que vous avez trouvées sur ce prisonnier nous ont permis de localiser le dernier pont traversant la rue. Que vous receviez l'étoile de bronze. Vous êtes un vrai héros. Aïe 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 aïe. Deux semaines plus tard. C'est bon de te revoir, Fred. Hey, ça se finit comme ça? Ben non, il y avait une autre mission à côté. À partir de maintenant, je compte plus te lâcher d'une semaine. Tu m'as bien compris, ce caporal? Oui, madame.
Est-ce que tout va bien, Ren? On est là pour causer ou pour chasser? Tu devrais être fier de toi. Surmonter ta peur, tu t'es défendu. On ne peut pas demander plus à moi. C'est la meilleure sensation au monde, en vrai. Connaître l'enfer et revenir chez soi en véritable héros. C'est un rêve, je pense. À la mort. Ouais. C'était qu'un rêve. J'ai été démobilisé. Pire encore, les Boches ont capturé Zussman. Mais je ne l'abandonnerai pas, même si je pouvais rentrer chez moi. C'est vrai. Il y a raison. Jamais abandonner ses collègues. Bon, en tout cas les amis, ça va être tout pour l'instant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, bah, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, et à tous dans une prochaine vidéo. Ciao.